Bien, salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3, j'espère que vous allez bien. Voilà, quelques nouvelles à vous annoncer. Aujourd'hui, pour tout ce qui s'est passé ces derniers jours, la nouvelle série City Skyline qui a commencé, ça va être un vlog assez court, mais un vlog où je vais vous tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie. IRL, tous les événements qui se passent et qui influent sans doute sur la chaîne, et l'activité forcément qui peut être réduite ou qui peut des fois augmenter, enfin j'essaie de m'organiser comme je peux en ce moment, mais voilà, vous allez voir, tout simplement je vais vous expliquer, vous exposer un petit peu toutes les raisons. Donc allez-y, allez on y va, c'est parti. Voilà, donc déjà je vous remercie de mater ce vlog, ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler comme ça, en face à face, enfin presque en face à face, on va dire qu'il y a internet au milieu quand même, mais voilà, c'est déjà quelque chose pour moi que j'y tiens vraiment pour ça, pouvoir vous parler comme ça, de l'actualité et un petit peu de la chaîne. Donc déjà on va parler un petit peu de City Skyline, l'organisation que prend la chaîne un petit peu en ce moment. City Skyline c'est un jeu, il y a beaucoup d'engouement sur YouTube en ce moment. Du coup je fais passer un petit peu devant toutes les deux autres séries, sont Mountain Blade et SimCity. Je vous prie de ne pas faire gaffe à ma coiffure, aujourd'hui c'est interdit. Voilà, vous vous foutrez de ma gueule dans la prochaine vidéo, vous aurez le droit. Et je shoot dans le micro, ça va pas du tout, je m'en excuse. Mais vous aurez le droit dans la prochaine vidéo à vous foutre de ma gueule, de mes cheveux. Mais pas celle-là, s'il vous plaît. C'est mon jour, voilà. On continue un petit peu avec City Skyline. Je fais pas mal d'épisodes, j'ai tourné beaucoup d'épisodes à la suite le week-end dernier pour pouvoir vous en proposer durant mon voyage à Paris. Je suis parti à Paris avec l'option musique de mon lycée dans laquelle, dont je fais partie. C'était super bien, j'ai passé un super bon moment. Voilà, c'était vraiment un sacré voyage. Et aujourd'hui, enfin un voyage durant lequel j'ai quand même réussi à vous proposer pas mal de vidéos, enfin un rythme régulier, une vidéo tous les deux jours, ça me paraît tout à fait honnête, dont un épisode de Mountain Blade, sinon c'était uniquement du City Skyline. SimCity ça va être un petit peu en retrait également, parce que voilà, le temps que City Skyline s'implante un petit peu, le temps que certains d'entre vous rejoignent la chaîne, ça va un petit peu ralentir, SimCity ça va être un peu en arrière-plan, mais ça continuera, ne vous en faites pas. Pour les fans de SimCity, il n'y a aucun problème, SimCity est toujours là et toujours sur la chaîne. Je pense que ce sera honnêtement la dernière série qu'il y aura sur le jeu, la saison 3. On verra, on va la continuer encore un peu, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils voulaient que je la continue, donc je la continuerai. Mais voilà, c'est un petit peu en arrière-plan, ça passe un petit peu en priorité minimum, on va dire ça comme ça. Et je vais essayer de tout simplement vous faire passer un petit peu City Skyline devant, parce que c'est vrai que c'est un excellent jeu. J'ai peut-être un projet, je vais peut-être essayer de faire une vidéo comparative des deux jeux. Ça pourrait être intéressant, ça peut être long, mais ça peut être très intéressant. Enfin, je vais peut-être travailler là-dessus pour essayer de vous proposer mon avis. Mais je vais attendre un petit peu quelques semaines avant de pouvoir vous la proposer, pour que j'ai vraiment un avis définitif sur le jeu City Skyline. Auquel je joue beaucoup en ce moment, je dois vous l'avouer. Et voilà, on va essayer de faire ça correctement et essayer de vous proposer mon avis le plus construit, mon avis le plus définitif, on va dire, sur le jeu. Je ne veux pas vous faire une vidéo à l'arrache parce que c'est sûr, tout le monde dit « Oh, City Skyline, c'est génial, comparé à SimCity, ça n'a rien à voir, c'est génial. » Je vous assure qu'il y a des choses qui sont bien dans SimCity quand même. Voilà. Là, au bout de quelques semaines, au bout de deux semaines, je vous assure qu'il y a des choses bien dans SimCity aussi, et que ça, c'est un jeu qui certes se fait détrôner, mais qui, voilà, peut, à ses avantages, vis-à-vis de City Skyline, il y a des choses qui sont critiquables encore dans City Skyline, mais c'est normal, dans chaque jeu c'est comme ça, il n'y aura jamais un jeu parfait, je pense que ça n'existe pas, mais voilà, tout ça pour vous dire tout simplement que cette vidéo, si je la fais, ce sera pas pour tout de suite. Certains d'entre vous me l'ont demandé, mais je vais peut-être y réfléchir un petit peu plus. En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Voilà. Allez, maintenant on va parler un petit peu de tout ce qui est le futur, là ce qui va se passer dans les prochaines semaines, comment la chaîne va être active, donc je vous dis à tout de suite. Oui, donc me revoilà. On va donc parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines, ça va être
Je pense un rythme assez classique pour le coup. Ça va, il va pas avoir trop de chamboulements. J'ai pas trop d'examens. J'ai pas d'examen. J'ai passé tous mes examens la semaine dernière. J'ai pas d'examen. Bien sûr, c'est toujours chargé. J'ai toujours pas mal de boulot à côté. Mais je devrais pouvoir vous proposer des vidéos assez régulièrement, tout de même. Et voilà, je pense que ça peut être pas trop mal. Et peut-être même vous faire quelques lives, ça me ferait plaisir. Là, ça fait peut-être 2 semaines bientôt que j'en ai pas fait. Mais c'est parce que voilà, j'étais occupé. Et quand je suis occupé, je m'occupe plus des vidéos que. Je m'occupe plus des vidéos que des lives, bien sûr, c'est quand même ma priorité. En tout cas, voilà, je suis ravi. Encore une fois, que la chaîne atteigne bientôt les 3000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de liker toutes les vidéos. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Quand vous commentez, ça arrive là. Ça me fait super plaisir que vous, même si c'est une critique, tant qu'elle est constructive, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense que voilà, moi j'ai vraiment envie que cette chaîne évolue encore. Il va falloir que je trouve des petits concepts. Des petits concepts un peu plus. Comment je pourrais dire ça? Des concepts qui peut-être attirent un peu plus de monde sur d'autres jeux. Mais j'ai pas trop d'idées, c'est le problème. Donc si jamais vous avez des idées, n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait m'en faire part sur Facebook, sur Twitter. C'est totalement open. Voilà, allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous pour ce vlog numéro 3. C'était très sympa. J'espère que vous avez appris quelques trucs et qu'il vous a été utile. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, merci à tous. Ciao, bye bye. Can you just get me home? Just go, 'cause I don't know how to get there. Je sais pas s'il va être très emprunté celui-là. Just go. Ouais.